Coucou Mutilant, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog. Je regarde l'objectif parce qu'il est crade, il y a une grosse trace dessus. Ça n'a pas l'air de se voir. Nouvelle semaine de vlog, on est lundi, il est midi et quelques. Je n'arrête pas de courir. Je me suis même demandé si j'allais vous prendre en vlog aujourd'hui. J'arrête pas de courir ce matin, j'avais rendez-vous à la mairie de ma ville et tout. Après il a fallu que j'aille dans une autre mairie, il a fallu que je fasse des papiers. Ça a été... Depuis 8h, je suis au taquet, j'ai fait l'ouverture de la mairie à 9h. Et voilà, bref, c'est pas réglé tout ça. Et elle dort encore. C'est bien, le sommeil, tout ça. J'ai mis des draps que j'avais acheté chez Leclerc il y a... Je sais plus. Enfin voilà. Attendez, je vous montre ma tenue vite fait. Le fameux pantalon que je vous disais la semaine dernière que j'avais acheté chez Kiabi. Bah j'ai bien fait de prendre la grande taille. Là, parce que en fait il se détend pas du tout. Et aux jambes bah il est bien mais c'est trop serré. Enfin la taille en dessous ça aurait été trop serré. Et ça c'est un petit top que j'ai eu chez Shein. Voilà, j'avais mis des petites claquettes aussi. J'ai mis du rose fluo sur mes pieds avec des paillettes dessus, mais on voit pas les paillettes là. Donc voilà. Ouh. Là, programme, parce que demain j'ai encore des rendez-vous à 9h et quelques. Donc ça va, je vais courir. Programme, je vais tourner une vidéo. Comme ça, c'est fait. Et puis après, bah, je vais monter ma vidéo. Oh, ça me saoule, j'ai couru partout. En tout, j'ai dû rentrer chez moi 3 fois et repartir 3 fois à chaque fois. Enfin, je suis rentrée chez moi 4 fois du coup. Entre les allers-retours partout, je montais, il fallait que je prenne un papier, que j'imprime un truc, je repartais dans le truc. Bref, je vais me poser là et je vais tourner ma vidéo. Je vais mettre du rouge à lèvres aussi. J'ai dû me maquiller alors qu'il fait hyper chaud pour faire des photos d'identité. Bon, ça y est, je viens de... Ah, j'ai pas éteint celle-là. J'ai éteint cette lumière-là, mais pas celle-là. Je viens de finir ma vidéo. Donc là, je vais aller... J'ai mis une lessive ce matin, je suis trop bête. Mais bon, ce matin, j'ai mis la lessive de tout ce qui était torchon. Et vous n'êtes pas prêts? Ah, mais si, je me disais qu'il y avait un zoom parce que je me trouve vachement prêt sur la vidéo. Enfin, bref. Ouais, ce matin, j'ai mis une lessive de tout ce qui est serviette, torchon et tout. Tapis et tout ça. Donc là, c'est en train... Ah, j'ai oublié de mettre le tapis des toilettes. Enfin, bref. Donc bah, je remettrai les fringues après. Donc voilà, je vais aller faire le montage de cette vidéo et du vlog. Voilà, j'ai commencé le montage du vlog et je suis KO. J'ai passé un week-end. J'ai pris des coups de soleil, je sais pas si vous verrez. Enfin, j'ai pris des coups de soleil, j'ai pris des couleurs, ouais. Donc ouais, c'est vendredi soir. Du coup, moi, je vous ai quitté jeudi. Mais jeudi, j'avais vraiment l'impression qu'on était vendredi. Enfin bref, je le savais que je vous quittais jeudi, mais je vous ai quitté jeudi, vendredi soir. J'ai une amie qui est venue manger chez moi avec son fils et tout. On a passé une trop bonne soirée, franchement. On a bien mangé, elle est venue avec sa guitare, on a chanté, on a dansé. Enfin bref, voilà. On n'a pas fait chier tout l'immeuble, hein, vous inquiétez pas. Et samedi, pareil, je me suis reposée. Enfin bref, j'ai pris l'apéro tout le week-end, tous les soirs, je crois. L'apéro ne veut pas dire prendre de l'alcool. Et après, dimanche, ouais, samedi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai regardé samedi? Ah, j'ai regardé la saison 2 de Lupin, qui était pas mal sur Netflix. J'ai regardé ça, ça s'est regardé hyper vite. Je crois qu'il y avait 6 épisodes de 40 minutes. Donc j'ai regardé ça toute la journée. Après, le soir, tranquille, j'avais encore... Enfin bref, j'ai pas arrêté le dimanche, je suis partie, j'ai fait un barbecue et tout. Et le soir, j'ai refait un barbecue. Bon, bah, je voulais pas rentrer chez moi. Enfin bref, j'ai fait que ça, ouais. Donc j'ai regardé Lupin. Est-ce que j'ai regardé autre chose? Non, je sais plus. Enfin bref. Donc du coup, je récupère de mon week-end. C'était trop bien, mais c'est fatigant de tous les jours faire quelque chose. Et puis voilà, ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, combien il me reste là de batterie? 11%, bah ça va. Je vais aller faire ça, je vais aller faire le montage et j'ai faim surtout, je vais aller manger parce que là il est déjà plus de midi et demi, ça a été rapide pour tourner la vidéo. Donc voilà, bon, go, en plus je vais éteindre les lumières parce que j'ai encore plus chaud avec ces lumières. Nouvelle journée, on est mardi, il va être 9h là, ouais, il est 8h58, je suis déjà prête. Elle est au taquet. Parce que depuis ce matin, elle voit des petits moustiques sur la fenêtre.
Ah oui, il y en a deux là même. J'ai rendez-vous à 9h et quelques à un endroit et à 10h45 à un autre. Il faut que je speed entre les deux rendez-vous. Il faut que ça se synchronise bien. Donc là, ce matin, c'est journée, je vais courir. Et je vais aller à mes rendez-vous et voilà quoi, je suis claquette. J'aurais bien dormi jusqu'à 9h. Donc voilà, je me suis speedée. Je me suis réveillée tôt ce matin. J'ai mal dormi, mais c'est parce qu'il faisait chaud. J'ai dormi la fenêtre ouverte et je me suis fait manger par les sticks mous. Enfin voilà quoi. Donc là, je vais pas tarder à y aller. Parce qu'il va être 9h, ouais, donc je vais pas tarder à y aller. En espérant qu'ils me prennent en avance. Comme ça m'arrangerait en vrai. Ouais, ça m'arrangerait qu'ils me prennent en avance. Enfin bref, on verra ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez ma mère. J'ai 2-3 colis à aller récupérer chez elle. Et j'aimerais bien aller chez Action et tout. Aujourd'hui, il y a un nouveau magasin, un truc qui a ouvert de dépôt-vente et tout ça. J'aimerais bien aller jeter un petit coup d'œil et tout ça. Donc bon, on verra si on se retrouve plus tard ou pas. Je suis chez ma mère. Il va être 14h là, on a fini de manger, on s'est fait livrer à manger. Et du coup, j'étais en train de dire à ma mère que, parce que moi je me suis fait livrer à un Subway, et j'ai dit à ma mère que j'avais trop envie de manger des cookies mous, parce que chez Subway, vous savez, ils ont des cookies mous. Et du coup, regardez. Qui c'est qui est en train de me faire des cookies mous? faut que tu parles parce que j'ai pas envie qu'on t'entend pas. J'ai pas envie de parler. Elle a pas envie de parler, voilà. Vous voyez? De qui je tiens ce caractère? Et là, du coup, elle est en train de me faire des cookies aux pépites de chocolat. Et voilà. Je suis trop contente. Moi, c'est ça. Quand je suis chez ma mère, je lui dis « Maman, j'ai trop envie de manger ça. » Elle m'a dit « Attends, je vais te le faire. » Ça, c'est du sucre. Du sucre. Donc là, elle a regardé, elle a trouvé une vidéo sur YouTube. Et puis du coup, attendez, je me mets comme ça. Pas dire de gros mots. Elle a trouvé une vidéo sur YouTube et là elle est en train de me le faire. Et j'ai reçu des petits trucs sympas chez ma mère, notamment un kit de pinceaux. J'ai reçu un kit de pinceaux, mais je vous le présenterai à la maison et tout ça parce que je vais l'utiliser et tout ça avec vous. Mais j'ai reçu une ring light, mais une petite, enfin une moyenne, parce que j'en ai une petite. J'en ai une grosse, celle avec laquelle je fais mes vidéos et tout. Et j'en ai une moyenne maintenant, qui s'allume de toutes les couleurs et tout ça. Hein? Et la voisine qui va me rendre le café. J'ai enlevé le foulard, j'avais trop chaud. Déjà, je me suis maquillée, je me suis dit, attends Marie, tu te maquilles, il fait trop chaud. Aujourd'hui, on est mercredi, comme vous pouvez le voir, je viens de me maquiller. J'ai reçu de la part du site Freyara un kit de 25 pinceaux. Voilà, j'ai utilisé tout cela, comme vous avez vu dans la vidéo. Ils sont vraiment trop bien, je suis trop contente en vrai. Du coup, j'ai reçu, comme je vous ai dit, un kit de 25 pinceaux. Donc, dedans, vous avez aussi bien des pinceaux teints que des pinceaux pour les yeux. Et vous avez vraiment tout au niveau des pinceaux et tout ça. Enfin, c'est juste ouf. Là, bon, bah, c'est ceux que j'ai pas utilisés. Attendez, je vais rallumer les lumières
Et je vais vous montrer. Hop, attendez, j'allume les parapluies. La ring light. Je vous reprends. C'est ma mère. J'ai reçu un colis Shein à la maison. des chaussures que j'ai commandées. Bref, je vous montrerai ça plus tard. Je vous disais, ouais, vous avez aussi bien des pinceaux teints que des pinceaux pour les yeux. Est-ce que vous verrez la magnificence de ce make-up? La palette Fairy 2.0 de chez Beauty Bay, c'est juste une dinguerie intergalactique en fait. Je vais aller faire des... Je vais aller faire des photos du coup. Bon, j'ai pas accroché, enfin j'ai attaché mes cheveux en mode pompée lapin. Dans le kit, il y a un petit livret comme ça. Et dedans, vous avez tout. Alors c'est écrit en plusieurs langues. Vous avez tous les pinceaux. On vous explique comment les laver, tout ça. Et après, on vous dit tous les pinceaux à quoi ça correspond. Mais de toute façon, c'est réécrit aussi sur le pinceau directement. Mais franchement, ils sont de trop bonne qualité. Je sais qu'ils ont plusieurs kits au niveau des pinceaux. Et il y en avait que j'avais pas, par exemple, le pinceau contour comme ça, plat, vous voyez. Ça, j'en avais pas. Et pour faire tout ce qui est bronzer et tout, voilà, j'étais au minimum, honnêtement, au niveau du teint et du make-up. Parce que je comptais vraiment pas me maquiller aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis dit, aujourd'hui, c'est vraiment la canicule cool, quoi. Le plus gros jour. Là, je vous tourne, il est 10h. Non, il est 9h et quelques. Et je comptais même pas prendre la caméra parce qu'il va faire hyper chaud. Donc, voilà. Mais faut que j'aille tous les laver. Oh là là, gros pinceau boule comme ça. Pour eux, ils disent face brush, effectivement. Enfin, après... Les pinceaux, vous en faites ce que vous voulez. Je veux dire, si vous avez envie d'utiliser celui-ci pour faire votre paupière, et bah, si ça peut vous faire plaisir. Moi, généralement, ces pinceaux boule comme ça, ils disent pour le fond de teint et tout. Moi, j'utilise pour le bronzer. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, je suis trop contente. Comme je vous ai dit, sur le site, ils ont plusieurs kits. Ils ont des kits que pour les yeux, des kits que pour le teint, ou alors des kits mélangés et tout. Mais alors là, même la couleur, je sais pas si vous verrez, c'est un rose. Mais je sais pas si vous verrez, c'est légèrement nacré. Ils sont vraiment bien. Moi, les pinceaux, honnêtement, les pinceaux, je marche que avec ceux que m'avait envoyé Hello. De Amazon, je vais pas dire la marque parce que je vous en présente une autre là. Et du coup, moi j'en avais racheté et j'adore ces pinceaux là. Du coup, je m'étais séparée des autres. Et bah là, c'est vraiment l'équivalent. Vous avez aussi bien des pinceaux à poils comme ça qu'à poils comme ça. C'est du synthétique, hein, bien sûr. Et voilà, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a le petit, il y a le petit livret, tout ça qui va avec. On vous explique même comment les laver et tout. Et voilà. La seule chose qui pourrait manquer, c'est un pinceau boule. Parce que moi, un pinceau boule, j'ai utilisé celui-ci. Mais il aurait fallu un pinceau beaucoup plus boule, beaucoup plus... Attendez, je crois que j'en ai un devant moi. Non, j'en ai pas devant moi. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça a très très bien fait l'affaire. Et peut-être tout ce qui est goupillon. Comme ça, pour faire les sourcils. Là, j'en ai un vieux de chez Anastasia Beverly qui part en cacahuète, le pauvre. Mais je trouve celui-ci trop bien. J'en trouve pas d'autres aussi bien. Donc ouais, plus... Bah, ils en ont, hein, sur leur site. Hein, mais dans ce kit-là, il n'y a pas. Et c'est cool au niveau des kits et tout. Je regarde s'il n'y a pas des poils qui se barrent. Mais même pas. Les poils sont doux et tout. Franchement... Le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre, il est dense, il est vraiment bien. Enfin bref, j'ai chaud avec les lumières. Je suis trop contente, merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ce kit de pinceau. Je vous remets le lien, comme je vous ai dit, en barre d'infos. Il faut que je me rachète des brush guard parce que du coup, moi, tous mes pinceaux comme ça, je les mets aussi sous brush guard. Et eux, ils avaient des brush guard que pour les gros pinceaux, les brush guard, c'est ça. C'est les filets, moi je les achète sur Amazon et tout. Et les filets comme ça, j'en mets sur tous mes pinceaux, mais il doit en rester un, je crois. Donc je vais aller en recommander. Je vais aller laver tout ça, et je vous reprends après parce que j'ai reçu, comme je vous ai dit hier, un colis chez ma mère. Oui, du coup, hier, je vous ai pas repris chez ma mère. Elle m'a fait des cookies et tout, je vais vous les montrer. Et trop bon, une tuerie intergalactique. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a sa voisine qui est venue. Bah, au moment où je vous ai laissé, ça sonnait à la porte. C'était sa voisine. On a bu un café, tout ça. Et puis après, j'ai dit à ma soeur que j'allais aller chercher ma patate à l'école. Donc, il ne s'attendait pas. Je suis partie le chercher à l'école. Ensuite, ma soeur, elle avait mis la piscine dans son jardin. Donc, du coup,
Il a appelé ses voisins, on est parti le voir dans sa piscine, voilà, monsieur n'en pouvait plus. Et après on est rentré, moi je suis arrivée ici, il était il était plus presque 18h, hein. Parce qu'après ouais, je suis rentrée, j'ai pris ma douche et quand le temps que je me prépare et tout ça, il était plus de 19h, j'ai mangé et après il y a eu le match France-Allemagne et on a gagné. On a gagné les gars, mais attendez, j'éteins en même temps parce que sinon je vais cuire comme un poulet rôti là. On a gagné, mais parce que l'autre il a marqué contre son camp. Mais franchement le match il était super bien, enfin ils ont très très bien joué, on va pas se mentir. Donc voilà, je vais aller laver les pinceaux, après je vous montre les cookies. Et on va tester la nouvelle lampe que j'ai reçue là aussi d'un vendeur sur Amazon. Une pépite, j'ai trop hâte de l'utiliser, ça se trouve elle marche même pas. Mais voilà, j'ai plein de trucs à vous montrer aujourd'hui, oui. Dans ce vlog, il va y avoir des collabs, oui, parce que ça j'ai reçu gratuitement, la lampe aussi. Mais ça arrive, hein, c'est comme ça. Voilà, ceux qui n'aiment pas, bah écoutez, on se retrouve sur une prochaine vidéo, ou pas du tout d'ailleurs. Enfin bref, vous avez rien compris à comment fonctionne le monde, j'ai l'impression. Ça, c'est encore autre chose. Je vous retrouve après. Comme on dit. On se retrouve par terre. Je suis par terre dans ma pièce YouTube. Je viens de nettoyer le sol dans le reste de la maison. En même temps, j'ai nettoyé mes pinceaux et tout ça. Et voilà. Je me suis dit qu'on allait ouvrir ceci. Bon, moi, j'ai déjà regardé, hein, mais j'ai rien touché. J'ai pas allumé rien. Hop. Donc, on va voir ça ensemble. C'est un vendeur Amazon qui m'a envoyé une ring light multicolore en fait. Eux ils se disent voilà que c'est pour tout ce qui est story, TikTok et tout. Et elle a l'air plutôt sympa. Moi j'ai une toute petite ring light pour le travail et tout ça, quand je veux faire les ongles et tout. J'ai ma grande ring light pour filmer mes vidéos. Et à côté de ça il y a ce genre de ring light et je trouvais que ça pouvait être sympa pour diversifier un petit peu le contenu. Donc dedans en fait on retrouve le petit papier comme ça avec tout ce qu'on retrouve dans la ring light. Et qui est plutôt pas mal moi, ma foi, c'est vraiment... j'ai ouvert et il y a trop de trucs, franchement il y a une télécommande, il y a plein d'embouts, il y a un trépied. Et ah non mais c'est ouf, genre sur la télécommande il y a une touche TikTok s'il te plaît. Comment pas, hein, c'est écrit là. Donc on va regarder ça ensemble. Déjà on a un trépied qui est vraiment pas mal. Franchement au niveau du trépied, hop, il est vraiment pas mal. Donc là vous pouvez ensuite resserrer tout ça. Mais regardez, ça c'est cool. Attendez, je vais serrer ça. Vous avez... Attendez, maintenant je desserre. Vous avez plusieurs hauteurs. Ah franchement c'est cool. C'est cool, attendez, vous savez quoi, je vais l'installer devant moi, comme ça vous verrez en live. On va mettre du coup que celui-ci là-haut. Alors attendez, je resserre. Les trépieds et moi on se connaît, hein. on est potes. Ça aussi je vais le resserrer. Et en haut vous avez un petit embout comme ça. Alors encore une fois je vous dis attendez, mais c'est parce qu'il y a plusieurs embouts. Donc ça se présente comme ça. Et c'est une ring light, vous voyez, vous pouvez mettre votre téléphone au milieu et tout. Donc vous avez, on va y arriver, vous avez l'anneau lumineux, hop, avec la fameuse télécommande dont je vous parlais qui est reliée à l'anneau. Ça se branche en USB, mais ça tombe bien parce que j'étais en train de recharger mon téléphone. Donc j'ai la prise USB juste à côté de moi. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. C'est un déballage les gars. C'est un déballage, j'ai chaud, quelle idée aussi d'aller faire le ménage avec toute cette chaleur. Attendez, il est même pas encore 10h que dehors il fait déjà 300 degrés. Hé, on va y arriver ou pas? Les mecs qui mettent ça là, les petits trucs noirs qui les tournent dans tous les sens. Vous êtes chiants, puis en plus vous en mettez deux quoi, non mais... Vous voyez ici, vous avez des petits embouts justement pour pouvoir mettre vos trucs. Alors, la télécommande, hop. On enlève le truc des piles. Donc ça c'est cool. Et voilà, vous voyez, vous avez plusieurs embouts. Ah, encore une télécommande. Bah, ah ça c'est une télécommande sûrement pour régler musique et tout. Ah, parce qu'elle sort du son. Attends. Ah, ou non, vous la branchez en Bluetooth sur votre
sur votre téléphone. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez régler le son. D'accord, je vais y arriver. Et ils expliquent comment la brancher en Bluetooth. Ok, vous avez le fameux truc comme ça pour accrocher. Ah, c'est chiant tous ces trucs-là. Mais une fois installé, c'est bon. Vous êtes tranquille. Bon, je vous propose que j'installe tout et qu'on se retrouve une fois que c'est installé, non? Bon, je vous ai mis ça là. Hop, vous la voyez bien là. J'ai accroché mon téléphone. Vous avez un petit embout, voyez, flex comme ça. Vous pouvez mettre votre téléphone comme vous voulez. Hop, attendez, voilà. Donc c'est assez simple à installer. Vous avez la petite télécommande et hop, vous allumez. Vous avez plusieurs modes, un mode bleu, enfin un mode blanc ou un mode jaune. Et après, vous pouvez régler l'intensité de la lumière. Je vais y arriver. Mais j'ai pas l'impression que... Ouais, c'est pas foufou. Ah si. Ah oui, non, effectivement. Moi, je préfère mode blanc, forcément. Et vous avez également sur la télécommande une touche RGB. Et regardez le délire. Non, mais c'est ouf. Voilà, je peux aller plus vite. Oh, c'est ouf. Attendez, je mets moins vite. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Regardez, vous avez un autre. Rouge. Vert. Vous verrez mal à la caméra. Bleu. Donc pareil, vous pouvez augmenter. Jaune. Mauve. Waouh, turquoise, rouge. Oh, regardez, ça fait des effets. C'est beau ça. Et on retourne à ça. Oh là là. De toute façon, vous retrouvez les mêmes touches après sur, sur le truc. Up, down. Pour que ça aille plus vite. Mais non, c'est d'autres. Est-ce que c'est pas par rapport au son? Je ne sais point. Bon, j'ai un peu regardé parce que c'est vrai, il n'y a pas de manuel en fait. Ils disent que le truc, vous pouvez le tourner effectivement à 360, ça c'est cool. Que vous avez le mode et tout. Et en fait là, vous avez trois modes. C'est ce que je vous disais. Le mode blanc, jaune et entre deux, ils appellent ça warm light. Et après avec la touche RGB, c'est là où vous avez les effets comme ça. Mais c'est canon. J'adore, c'est canon et tout. Par contre, la touche du milieu, la touche où il y a le logo TikTok, là, ça vous met sur des trucs comme ça. C'est soit bleu, enfin soit vert, soit rouge, mais c'est que en bas. Et en fait, c'est par rapport au... si vous reliez votre truc à l'application et tout, mais je vois pas comment le relier à l'application, en fait. De toute façon, j'ai pas TikTok sur mon truc, mais est-ce que je peux... Oui, Mina ? Est-ce qu'il y a du Bluetooth sur le truc? Je suis en train de regarder. J'ai du Bluetooth là, mais je pense pas que ce soit ça. Comment elle s'appelle? RGB LED. Je ne crois pas. Bah écoutez, je ne sais pas. Je le vois pas le truc, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est cool en tout cas. Ah bah maintenant il devient bleu. Bah, il change de couleur. Je sais pas ce que c'est ce truc TikTok. Donc vous avez la même chose sur la télécommande et vous avez également une télécommande si vous voulez actionner le truc et tout. Il y a des piles dedans, je crois pas. Non, elle n'est pas allumée là. Ah, il y a un bouton. Il y a des piles dedans. Vous avez une petite télécommande comme ça pour prendre des photos. Ou... Mais tout est relié en Bluetooth du coup. Mais je n'arrive pas à le mettre en Bluetooth. Il faut que je regarde ça. Mais c'est plutôt pas mal. Attendez, regardez. Je vais mettre le mode blanc. C'est le blanc celui-là? Non, ça c'est le warm light. Voilà, ça c'est le blanc. Et je vais mettre mon téléphone. Hop. Je vais mettre mon téléphone en... On va tester comme ça. Je vais changer de truc. Vous allez faire Inception dans le vlog. On va changer ça comme ça. Je vais regarder les modes sur mon téléphone. Voir si je peux mettre plus ou moins d'intensité. Et là, si je baisse... Ouais. Si. Eh, mais c'est vraiment bien, même pour tourner en vrai. On s'entraîne. Le mode jaune et intermédiaire. Ok, et si je mets le mode RGB... Bah après, ça, c'est juste pour des effets, hein. Là, vous voyez pas. Là, je viens de mettre rouge. Oh, c'est multicolore.
Attendez, je rallume l'autre caméra. Regardez ce que j'ai découvert en appuyant sur RGB. Ça change de couleur. Il y a 36 000 modes. Mais on voyait très très mal avec la caméra. Mais il y a 36 000 modes, c'est juste dingue en vrai. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Donc ça, c'est cool. Bah écoutez, en plus, c'est pas cher. Vous avez ça sur Amazon. Donc vous pouvez être livré si vous avez le Prime en 24 heures. C'est cool, hein, franchement. Vous pouvez même mettre deux. Vous avez deux embouts pour accrocher deux téléphones et tout. Si vous voulez vraiment faire deux trucs et tout, vous avez un autre empiècement ici. Et c'est pas mal. En plus, le truc, comme je l'ai dit, le trépied, vous pouvez le mettre vachement haut à hauteur d'homme et tout ça. Parce que là, je suis assise par terre, donc je l'ai baissé. Mais. Oh, c'est trop beau, mais il y a plein de trucs en vrai! Oh, j'adore! C'est space, hein? J'adore. Franchement, la technologie, mais moi, je me serais éclatée à voir ça quand j'étais jeune. C'est pas trop les trucs de vieux. Bon, je suis contente de cette découverte. Du coup, je l'ai rangée. Je sais pas si vous voyez, elle est là-bas. Je l'ai rangée. Qu'est-ce que tu fais, Mina? J'ai laissé la chambre dans le noir avec les stores baissés et la fenêtre ouverte pour que mademoiselle puisse se reposer dans la chambre. Mais comme j'étais assise par terre, forcément, elle est venue me voir. Je ferme la porte, je te laisse tranquille. Donc voilà, là le programme, ça va être de monter le vlog. Attendez, je vous ai pas montré, je vous pose là. Je vous ai pas montré les cookies. Je vais y arriver. Les fameux cookies mou, ils sont trop bons, comme je vous ai dit. Elle me dit, tu mets ça dans une boîte hermétique. Donc moi, j'en avais pas, j'ai pris une des siennes. Et voilà. Et ils sont vraiment très bons. Donc là, comme je vous disais, programme de la journée. J'ai plein de mails. Je sais pas ce qui s'est passé hier, j'ai eu 150 mails. Je ne vais pas tourner parce que j'attends des colis qui vont arriver soit aujourd'hui, soit demain chez ma mère. Là, il y a déjà un colis qui est arrivé chez ma mère, mais j'attends encore autre chose. Et j'irai vendredi. Vendredi ou jeudi chez ma mère, je pense plus vendredi, parce que je crois qu'il y a un colis qui arrivera que vendredi. Et le fameux colis que j'attends, j'attends comme le Messie. Donc je vais attendre. Aujourd'hui, je vais faire ça. Demain, du coup, je ne vais pas non plus tourner. Bon, bah voilà, ça va être montage aujourd'hui. Et mail, ça va déjà être ça. Nouvelle journée. Je vous prends avec l'iPhone, j'ai la flemme d'aller chercher le réflexe. On est jeudi, il est 11h20. Je ne vais pas tarder à partir, j'ai rendez-vous à midi. Mais comme je ne sais pas trop où c'est, je vais pas... J'ai rendez-vous à midi chez l'ostéo. Ça fait un petit bout de temps que je voulais prendre rendez-vous. Et hier, je me suis bloqué le dos. Non mais... Laisse tomber, j'ai passé une sale nuit. Je me suis bloquée le dos et du coup ma mère me dit mais depuis le temps que tu dois aller chez l'ostéo, vas-y. Parce qu'en fait quand je me suis fait opérer tout ça, toutes les opérations, ce qui s'est passé c'est que j'ai dû rester pendant plusieurs mois en position assise la nuit. Je ne me suis pas allongée. Et le jour où j'ai pu me réallonger pour dormir et tout, je vous raconte même pas le dos, comment je l'ai explosé. Et depuis, j'ai des douleurs dans le dos et tout ça. Et c'est vrai que je suis hyper tendue dans le dos. J'ai des nœuds, des trucs et tout. Et à chaque fois, je dis oui, j'irai. Et c'était en 2017, j'en ai trouvé un à côté de chez moi. J'y suis allée et j'ai pas compris. J'étais hyper déçue. En plus, j'avais payé 50 boules. Le mec, c'était un petit peu un bobo et tout. Et j'arrive, ça a duré presque une heure. Pendant une heure, il ne m'a pas touchée. Il est passé autour de moi, il passait ses mains comme ça, genre le fluide et tout. Et je lui dis, bah, vous êtes magnétiseur? Il me dit, bah non, ostéo, nana. Bref, j'étais dégoûtée, donc je suis repartie bredouille. J'étais dégoûtée. Donc là, si je vois qu'elle ne me touche pas, ça ne va pas le faire. Je vais lui dire, je ne suis pas venue pour me faire magnétiser. Hein. Je connais déjà des magnétiseurs, je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, je vais voir ça. Et après en sortant, donc là j'ai rendez-vous à midi, en sortant il faut que j'aille chez Leclerc parce qu'il faut que je prenne du PQ.
de la litière pour Mina, et l'une d'entre vous sur Insta m'a renvoyé les promotions pour les parures de draps. Il y en a de trop trop beaux avec les jours gagnants Leclerc. Il y a des trop trop belles promos. Enfin bref, je vais aller voir ça. Et des parures pas chères comme d'habitude. Et donc voilà, je vais faire ça. J'ai déjà faim. Chez l'ostéo, le ventre il va grogner. Donc voilà, je sais pas comment on s'habille chez l'ostéo. Alors j'ai mis un jean. Moi je suis habillée en pompe up. J'ai mis un jean, mais il est très souple. Hein. Le jean il est hyper extensible. Vous voyez, je suis pas du tout gênée pour bouger. J'ai mis un t-shirt. Voilà, c'est un t-shirt péplum que j'avais eu. Bah, toute ma tenue vient de chez Shein. Donc voilà, je me suis pas maquillée parce qu'il fait chaud. J'ai pas envie de me maquiller. Et ma peau, ça va mieux. Oh là là, quand t'as des soucis d'hormones là, ta peau elle en a marre, mais là je suis contente, j'ai récupéré ma peau. Et hier soir, enfin dans la nuit vers 3h, 2-3h, il y a eu un coup de tonnerre. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir et tout. Le coup de tonnerre, ça a duré 2 secondes. Il a plu 2 secondes. Et là, il était censé pleuvoir et se rafraîchir. Résultat, il y a un grand soleil, il fait hyper chaud. Bon, je vais pas me plaindre, mais je suis pas quelqu'un qui aime la chaleur, moi. J'aime bien la chaleur si je suis au bord de la plage. Sinon, c'est mort. Enfin, si je suis au bord de la plage. Si je suis sur la plage, au bord de l'eau. Voilà. Bon, je vais aller me préparer pour mon rendez-vous ostéo. Et puis, bah, je vous reprendrai après pour vous dire comment ça s'est passé. Et si j'ai trouvé les parures chez Leclerc. Je suis rentrée. Je vous ai laissé exactement à la même place. Ouais, bah ouais, on était sur le canapé. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas de pantalon. J'avais trop chaud, j'ai enlevé mon pantalon. Bon, mon rendez-vous chez l'ostéo s'est très bien passé. Je suis un peu claquette. En vrai, à un moment, elle me faisait des points de pression et tout ça. Elle a fait tout le tour de mon corps. J'avais envie de m'endormir, j'étais comme ça. Et après, elle m'a fait les épaules, je sais pas quoi, là. Ça m'a réveillée. Donc, non, ça s'est bien passé. Je vais la revoir là le 1er juillet, je crois. Ouais, si, j'ai rendez-vous le 1er juillet. Maintenant, je suis décoiffée et tout. Pouh, s'en fout. Là, j'ai qu'une envie, je vous avouerai, c'est d'aller m'allonger. Je suis en train de faire chauffer à manger là. Je me fais chauffer des pâtes. J'ai envie de manger des pâtes. En rentrant, je suis passée par Leclerc. J'ai pas trouvé les draps. Je suis un peu dégoûtée. Je pense que mon Leclerc est trop petit. Ils font pas ça. Je suis un peu dégoûtée quand même parce qu'il y en avait des sacrément beaux. Donc voir si j'irai pas sur Chartres au Grand Leclerc. C'est pas prévu. Enfin bref, programme de la journée. Bah, ça va être tranquille. Parce que comme je vous ai dit, j'attends des colis qui vont arriver aujourd'hui et demain chez ma mère pour tourner mes vidéos de la semaine prochaine. J'en ai déjà une, mais il m'en faut une autre. Et bah, je vais les récupérer que demain chez ma mère. Si tout est arrivé. Donc voilà. Donc du coup, j'attends et je ne peux pas tourner pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'était journée tranquille au niveau des mails. Hier, j'ai hyper bien bossé. Je me suis avancée, j'ai fait tous mes mails. Là, ce matin, ça va, ils ont l'air d'être tranquilles. Il y a juste 2-3 mails auxquels il faut que je réponde. Je vais ajouter ces plans-là sur le montage du vlog et ça va être nickel. Après-midi, nickel. Par contre, je sais pas, il n'y a rien à la télé et tout. Donc, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas allumé la télé, j'ai pas mis de fond sonore. Vous savez, je mets toujours une série en fond quand je suis en train de faire mes montages. Et là, bah, il n'y a rien à mettre de spectaculaire. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais refermer les volets, me mettre dans le noir, faire mon montage. Et puis, bah. Ouais, mais là, il va être 14h. Donc, il est moins le quart. Il est quelle heure? Ah, bah, il n'y a pas écrit là. Donc, ouais, je vois pas. Bref, il va pas tarder à être 14h. Donc, je vais pas mettre 2 heures à faire ça. Donc, va falloir que je trouve de quoi m'occuper. Sachant que j'ai déjà fait toutes mes lessives, que j'ai déjà fait les courses. Du coup, c'est bon. Et que mon ménage, c'est bon aussi. Voilà. Ah, je suis un peu dégoûtée pour les parures de drap. Franchement, elles étaient trop belles. Enfin, bon, allez. Déjà, je vais manger. Ça va me prendre déjà un petit peu de temps. Nouvelle journée. J'ai chaud. Ils ont dit qu'il allait avoir de l'orage pour nous rafraîchir. Si où? Là, il est même pas 9h. Il va être 9h dans 2 minutes. Je suis prête. Je vais rejoindre ma mère. On va
Mais oui, vous aviez pas vu. Attendez, je vous montre après. On va faire les courses. J'ai 2-3 trucs à faire aussi. Il faut aller chez Action. J'ai acheté des trucs. Enfin bref. Je voudrais aller dans des trucs et tout. Et hier, j'ai eu un coup de sang. J'ai eu envie de rechanger la déco de mon... de mon salon. Normalement, c'est la déco que je mets en hiver. Mais là, j'avais envie de terracotta. De couleurs chaudes et tout ça. Terre, un peu orient. Enfin, c'est pas du tout orient, mais... je vais vous montrer. Donc là, j'ai changé les petits coussins. Ça, c'est je les ai achetés chez Action. Et hop, j'ai mis les rideaux que j'avais achetés. Ils sont occultants, ceux-là. Que j'avais achetés chez La Foire Fouille. Et puis, j'ai remis voilà, tout ce qui était plaid et tout ça. Coussins. Voilà, j'ai pas changé les cadres. Je sais pas si je vais le faire. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça donne un côté très chaud à la pièce. Qui n'est pas du tout chaude parce qu'il fait pas du tout 30 degrés. Et si vous vous demandez, en fait, quand j'enlève comme ça, quand c'est comme ça, pardon, j'enlève et je mets les coussins ici et la déco jaune et verte et tout ça, je la rebalance dans la chambre juste ici. Vous voyez les plateaux et tout et tout. Boîte à mouchoirs, tout ça, enfin voilà. Bref, je vais y aller parce que ma mère m'attend et j'ai déjà chaud, laisse tomber. Ça, c'est un sac qu'il faut que je ramène. Faut que je descende les poubelles ce matin. J'ai vidé la litière d'Emina. Et voilà. Je vous montre même pas mon look. Enfin, si, je vais vous montrer vite fait. J'ai mis un petit top comme ça en dentelle que j'ai eu chez Yoinks. Ça c'est Yoinks. Et le pantalon, c'est Kiabi. Celui de Kiabi la dernière fois. J'ai mis des petites claquettes de chez Kiabi également. Donc voilà, go, j'y vais. Oula, désolée, je vous ai tapé dans le mur. Le maquillage est proscrit, hein, ça sert à rien. Je t'ai remis de l'eau fraîche. Je parle à mon chat parce que je vois qu'elle va dans la cuisine. Et voilà, bon, je vous reprends chez ma mère parce que j'ai un petit colis sympa qui est arrivé, le petit lunetier. Donc je vais vous montrer ça, mais d'abord on va faire les courses. Putain, j'ai chaud. J'ai chaud. On se retrouve bien plus tard parce qu'il est 17h58. Je viens de rentrer chez ma mère. Enfin, je viens de rentrer chez ma mère. Non. Au final, je ne suis pas allée chez ma mère. Enfin, je l'ai déposée. J'ai aidé à déposer ses courses, mais je ne suis pas restée chez elle, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti au Grand Leclerc de Barjouville. J'ai pas trouvé les draps. Il n'y avait pas. Je pense que c'est une... Comment ça s'appelle? C'est un truc qui doit être par rapport à certains Leclerc, je pense. Parce que le Leclerc de Barjouville, c'est un très, très grand Leclerc. Et généralement, il y a tout dedans. Mais là, non. Je suis allée chez Action. Je me suis acheté pas mal de trucs. Il y avait également des promos. Les ventes privées chez... je vais y arriver. Oh là, je suis KO. Il y avait des ventes privées chez... tiens, d'ailleurs, il faut que j'allume ma... Pendant que j'y pense, mon imprimante. Il y avait des ventes privées à la halle aux vêtements. Je vous explique. En fait, je suis allée à la halle aux vêtements parce que je voulais un soutien-gorge bandeau. Chose que je n'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé autre chose qui valait grave le coup. J'ai tout eu à moins 50% si vous avez la carte de fidélité. Oh là là, je suis dépitée quand je vois tout ce que j'ai à vous montrer, ce que j'ai à vous dire, et après il faut que j'aille faire le montage pour que la vidéo demain sorte. Bref, chez ma mère j'avais un colis, je vous montrerai après ce que j'ai acheté chez Action. Chez ma mère j'avais un colis, enfin j'avais même plusieurs colis parce que j'ai mon colis Shein, j'avais commandé des chaussures, j'ai allumé l'imprimante parce que je vais tout renvoyer je crois. Par une paire, et j'ai reçu un colis aussi, j'ai commandé 2-3 trucs chez AliExpress et un autre Tryon, pas Shein mais d'un autre site qui est arrivé aussi chez ma mère, plus tout ce que je vais vous montrer là, c'est dingue. Et j'avais les fameuses lunettes qui sont arrivées de la part du petit lunetier. Vous savez, je vous en parle tout le temps du petit lunetier, le boom que vous entendez, c'est ramène-le vers moi s'il te plaît. J'ai fait tomber le cache objectif de l'appareil photo et Mina est en train de jouer avec. Tu peux pas le ramener ici? Non. Bref, vous savez que je fais souvent des collaborations avec le petit lunetier. En fait, il m'envoie souvent des lunettes à anti-lumière, enfin des lunettes reflets, anti-reflets qui sont à écran bleu, enfin voilà, et qui vous permet. Merci Mina. J'ai un chat obéissant. Ça vous permet en fait quand vous êtes devant votre écran et tout ça, de tout ce qui est les rayons UV, tout ça, de les diminuer. Et moi depuis que j'ai mes lunettes anti-reflets, tout ça, enfin pas anti-reflets mais avec les lumières bleues et tout, anti-lumière bleue, je vais y arriver, ma vie a changé parce que c'est vrai qu'on passe notre vie devant un écran, que ce soit devant l'ordinateur, devant la télé, enfin tous les trucs...
même j'ai envie de dire, des fois, quand vous êtes dans des magasins, les néons et tout ça, moi, généralement, ce que je fais, c'est l'ophtalmo qui m'avait dit de faire ça, c'est que j'arrête tout et je regarde au loin comme ça par le balcon et tout ça, mais bon, faut y penser, quoi, et puis il faut faire une pause. Et j'avais des migraines, mais de malade et tout, et depuis que j'ai ces lunettes-là, ça a révolutionné ma vie. En plus, c'est un site qui est français. Et ils ont 2-3 boutiques physiques à Paris, en fait. Et du coup, ils proposent une large sélection de lunettes anti-reflets bleus, comme ça. Enfin, pour les enfants, pour les hommes, les femmes. Et vous avez également une sélection solaire. Après, si vous avez une correction sur vos lunettes, votre paire de lunettes en général, vous pouvez aussi leur envoyer votre ordonnance et ils font la correction adaptée à votre vue et tout. Et si vous pouvez pas vous déplacer sur Paris, bon, de toute façon, ils envoient tout. Mais si vous pouvez pas vous déplacer directement chez eux, vous avez la possibilité sur leur site, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà fait le test, sur le site, vous avez la possibilité d'essayer virtuellement les lunettes proposées. Et c'est canon, enfin bref, je suis fan. Cette fois-ci, ils m'ont dit, tu choisis ce que tu veux. Et j'ai décidé de choisir 2 paires de solaires, parce que je trouve que c'est hyper bien. Moi, la dernière fois, j'avais hyper mal à la tête. Les lunettes reflets, anti-reflets bleus, comme ça, qu'ils m'ont envoyé. Il n'y a pas de correction dessus, c'est rien qu'un verre, voilà. J'avais conduit avec et j'avais super mal au crâne. C'était un jour où j'avais mal au crâne et tout. J'avais conduit avec et je trouvais que c'était vachement plus agréable, même tout pour les reflets. Enfin, je ne saurais vous expliquer. Bref, là, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Hein. J'ai pas de commission par rapport à ça. Donc, à chaque fois, on reçoit ça dans une enveloppe et tout. De la poste et tout ça. Oups, on va y arriver. De la poste et tout. C'est bien, bien fait. Il y a toujours des petits. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ils ont fait un truc en collab avec une marque de beauté, enfin bref. Et ils nous mettent toujours une carte comme ça. On a conscience de ce qu'on possède lorsqu'on le voit porter sur sa sœur. C'est toujours la même. À chaque fois, j'ai ça. Et ça arrive dans des petites pochettes comme ça, qui sont trop cutie à mettre dans le sac et tout. Elles sont pas trop épaisses. Et je vais vous montrer les modèles que j'ai pris. Et ça a changé d'habitude. Vous avez également un petit essuie qui va avec. C'est hyper, hyper bien fait. Bien sûr, c'est fabriqué en France. Enfin, je sais même pas si c'est fabriqué en France, mais en tout cas, c'est aux normes européennes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et voilà, donc la première paire que j'ai prise en solaire, cette paire-là, j'avais pas cette forme-là. Et je sais pas si vous verrez, les carreaux sont teintés. Donc, il y a aussi les anti-reflets dessus. Les carreaux sont teintés. Et voilà, quoi. Je me suis dit, ça va changer, parce que d'habitude, j'ai que des paires noires et tout. Bon, là, j'ai une grosse tête de Pikachu. Laisse tomber, on dirait que je me suis pris à une attaque éclair dans la tronche. Mais voilà, j'aime bien. Faut m'imaginer avec moins de chaleur dans mon corps, bien coiffée. Enfin bref, et la deuxième paire que j'ai prise, je trouvais que ça changeait. Vous allez voir, j'ai pas du tout pris les mêmes modèles. Ça, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Ça me rappelle celles que j'ai déjà eu l'occasion de porter et elles sont trop belles. Cette fois-ci, les branches sont en argenté comme ça, avec les petits détails noirs, et les verres sont teintés en noir. Waouh! Oh là là, c'est hyper c'est hyper bien au niveau de la protection. On est vachement mieux avec celle-ci qu'avec celle-ci. Bon, celle-ci c'est, mais enfin, c'est différent, je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment l'impression que les UV vont pas traverser. Bon, là je les ai mal mises, elles sont de travers. Mais voilà, je suis bien contente, je remercie le petit lunetier de me les avoir envoyées. Et voilà, je vais pouvoir faire ma crâneuse une fois qu'on aura moins chaud quand même. Et voilà, parce que autant, comme je vous ai dit, quand j'ai vraiment mal à la tête, que j'ai envie de conduire, je prends les autres qui n'ont pas de reflets, enfin qui n'ont pas les verres teintés. Et là, je me suis dit, je vais prendre les solaires. Donc voilà, ça vaut trop le coup. Honnêtement, c'est pas cher si vous avez des corrections à faire et tout ça. C'est vrai que le marché de la lunette, j'y suis allée il n'y a pas si longtemps que ça avec ma mère pour qu'elle refasse ses lunettes. C'était en fin d'année, avant que je commence ma collab avec eux. C'était en fin d'année et quand je voyais les prix, je me suis dit, oh là là, c'est affolant comment ça coûte cher. Même moi, je voulais refaire une paire et tout, et au final, j'ai lâché l'affaire. Et là, c'est vraiment au niveau du prix et tout ça, on est pas mal. En plus, il me semble que j'ai un code promo et tout, mais je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Donc voilà pour le petit lunetier. J'aime bien le...
J'aime bien le nom. Ensuite, est-ce que je vous montre les sous-vêtements? Je vous montrerai les sous-vêtements vite fait. J'avais besoin d'une boîte. Ma mère en avait acheté plein la dernière fois chez Action. Donc du coup, elle m'a dit, tiens, j'en ai une en trop dont je ne me sers pas. Donc elle me l'a refilée. Ensuite, chez Action, j'ai repris la crème comme ça pour les pieds, qui est hyper, hyper bien pour bien hydrater les pieds et tout ça. J'ai repris du gel antibactérien pour remettre dans la voiture parce que j'ai fini le mien. Ensuite, j'ai pris des petits lots comme ça d'élastiques. J'ai pris un marron et un noir pour, je crois que ça coûtait 89 centimes, c'est un truc comme ça. Pour, je voudrais que ma pote me tresse et tout ça. Et j'ai pas envie de des tout petits là, élastiques en caoutchouc, là j'ai pas envie. Et j'ai pris un petit panier comme ça, je crois que c'est 1,99€, il est aéré celui-là, pour pouvoir mettre mes parfums, parce que vous savez, mes parfums sont sur un socle à gâteau, et en fait ils prennent la lumière du jour, et je voudrais enlever ce socle à gâteau, entre guillemets, pour laisser place, voilà, place nette, et que, voilà, que les bouteilles soient quand même à l'abri de la lumière, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai repris plein de trucs, j'ai trouvé ce coussin. Enfin, en ce moment, j'ai une passion route. Hein. J'ai envie de changer ma table basse, j'ai envie de changer mon meuble télé, j'ai envie de changer plein de trucs, j'ai envie de changer mes chaises, prendre du rotin et tout ça. Et j'ai déjà le tapis en rotin, quelques petits accessoires et tout. Mais j'ai trouvé chez Action ce petit coussin comme ça. Il coûtait 5,89€, je crois. Voilà. En dessous, il est... On ne peut pas le déhousser, celui-ci. Non. En dessous, il est comme ça et voilà. Je pense que je vais le mettre, je vais le garer dans le coin. J'ai ma petite idée de où je vais le mettre, je vous montrerai ça après. Bah, dis donc, je l'ai balancé par terre et il y a des poils à toi là qui se sont envolés. Tu perds tes poils, bébé. Ouais, tout à l'heure, quand je suis rentrée, elle avait vomi, elle a vomi des poils. Enfin bref, j'ai racheté ces petits coussins de chaise. Là, je vous ai montré ce matin que j'en avais des roses un peu rose-orangées sur les chaises comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai pas envie de faire un thème... Enfin, j'ai déjà envie de changer la déco de ma salle, même si j'ai changé hier. Mais en fait, j'ai une idée dans la tête. Je veux un bleu profond, mais genre un bleu un peu indigo. Entre le bleu canard et le bleu indigo, je voudrais un bleu bien profond comme ça. Et je me suis dit que en coussin de chaise, j'allais prendre des trucs neutres. Par exemple, mon canapé est exactement de la même couleur. Donc comme ça, j'aurais pas spécialement besoin de changer parce que j'ai les verts. Quand je mets les rideaux verts et tout ça, j'ai les verts, j'ai ceux-là, là, donc les rosés un peu saumon, un peu orangé, et là que j'ai mis avec cette déco-là, mais si j'ai envie de faire un truc bleu ou même une autre couleur, on sait jamais, et bah voilà, donc j'en ai pris 4, tant qu'à faire, parce que j'ai 4 chaises, elle est à fond, moi mon pauvre bébé. Et ensuite, chez Action, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé, bah oui, parce que je l'ai pas trouvé chez Leclerc. Et vous m'avez souvent dit, mais Marie, essaye les parures de drap chez Action. Ça coûte 16 balles. Donc voilà quoi, j'ai pris cette parure qui est verte. Vous voyez, elle est trop trop belle. C'est du coton. Par contre, au niveau des housses de... Bon, c'est bien 240-220, donc ça c'est cool. Par contre, au niveau des housses d'oreiller, on est sur du 60x70. Moi, mes housses d'oreiller, c'est du 60x60 ou du 63x63. Bref, je sais plus, donc c'est pas grave, bon, ça débordera. Donc, vu que demain, on est samedi et que le samedi, je change mes draps, je vais vite aller laver ça. Comme ça, demain, je vais les mettre. Et ensuite, j'ai repris une grosse panière comme ça. Pour mettre en dessous mon évier dans le meuble où il y a l'évier. Parce que j'ai un gros carton que j'ai depuis mon déménagement. Où je mets... Qu'est-ce qu'il y a? Où je mets tous les produits ménagers. Et en fait, je voulais en changer pour un truc plus beau. Et enfin, j'ai arrêté le carton de déménagement que j'avais. Et puis ensuite, c'est que des sous-vêtements. Bon, après, vous avez l'habitude que je vous montre mes sous-vêtements ici. Hein. Hop, attendez. Vous savez, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais commandé chez Savage by Fenty, la marque de Rihanna. Et que j'étais hyper déçue. J'ai renvoyé le truc. Ils ont mis je sais pas combien de temps à faire le remboursement. J'ai été remboursée hier, je crois. De la totalité, heureusement, mais faut chatter en ligne avec des gens pour... Enfin bref, et ça taille hyper petit et tout. Donc là, je me suis dit, je vais tenter à ce prix-là. Bon, bah tant pis. Au pire, la nana me dit que je peux aller changer, que je peux aller changer les hauts, mais... Pff, flemme. Si vraiment ça tient pas très bien, bah, ce sera des soutifs que je mettrai quand je resterai à la maison. Bref, j'ai pris déjà celui-ci. Vous voyez qui est un peu vert... vert foncé, mais c'est un peu cette couleur que je veux pour mes rideaux, mais en plus bleu. Et il passait à moins 50%. Il est trop trop beau. Non, il est trop vert par rapport au rideau que je veux. Et avec, il était vendu avec un lot de culottes. C'est des culottes?
Non, c'est des boxers. Il était vendu avec... pas des boxers, c'est des shorties. Il était vendu avec un lot de shorties, pareil, qui passait à moins 50%. Donc, il y a tout vert, comme ça. Hop. Ou le même motif. Voilà. Bon, après, moi, je change... Je change de soutif tous les jours, donc je vais pas le remettre. Bref, je vais pas, j'ai pas besoin de changer de bas. Si vous voulez, je change, enfin, je mets toujours des ensembles, mais je remets pas deux fois le même haut. Comment vous expliquer? Je sais que des fois, quand les gens transpirent pas, ils remettent leur soutif deux jours de suite. Pas moi. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, j'ai pris celui-ci et à l'intérieur, il est armature comme ça. Je me suis dit, on va tester. J'ai pas de truc comme ça. Par contre, là, il n'y avait pas de bas, mais c'est blanc. Donc, ça va. Je pense que ça va aller. Ensuite, j'ai pris celui-ci. J'ai voulu tester comme ça à coque. Voilà. Et j'ai pris le bas qui allait avec. Je crois que j'ai pris une culotte. En fait, j'ai pris ce qui est resté parce qu'au niveau des bas et tout. Voilà. Petite culotte des familles. Et ensuite, j'ai pris celui-ci qui, ma foi, est très joli. Hop. Un petit petite couleur corail comme ça. Avec des petits empiècements en dentelle. Et le bas que j'ai pris, c'est aussi un petit shorty comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout pour mes achats. C'est déjà pas mal. J'ai hyper chaud. J'ai encore 1 500 000 trucs à faire. Donc je vais faire ça. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. Parce qu'il faut qu'il sorte demain matin. Et là, bah, il est 18h13. J'ai encore plein de trucs à faire. Quelqu'un peut venir m'aider s'il vous plaît. Putain, faut que je fasse la miniature, j'ai oublié. Je suis dépitée. I'm disappointed. Bref, je vais faire ça. Je vous remettrai les liens du petit lunettier en barre d'infos. C'est vrai que cette semaine, je vous ai présenté des petits trucs en collab. Don't worry, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va pas vous tuer de voir des collaborations. Croyez-moi, il y a pire que ça dans la vie. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.